Je vous ai promis un culte spécial. Et aujourd'hui, le Seigneur a mis dans nos cœurs, dans mon cœur, très fortement depuis la semaine dernière, de revenir, de faire un culte spécial d'enseignement et de témoignage. Et de revenir sur le message que certains d'entre vous avez écouté, que vous demandez de réécouter, et que plusieurs d'entre vous n'avez pas écouté parce que vous n'étiez pas à la veillée. Ça a été compilé en une heure à peu près, la prédication de la veillée sur oppression, maladie, oppression démoniaque, hors la loi. Et je sais que toi qui as écouté ça, je sais que tu seras ravi d'écouter encore cette parole. Et toi qui as déjà, et toi qui n'étais pas là, tu vas te dire enfin je comprendrai de quoi vous parlez à chaque fois quand vous me dites j'ai une nouvelle tenue. Ce que je vous demande c'est la parole est vivante. Dis amen. Amen. C'est quand tu entends la parole, quand on dit à l'écran dis amen, on veut entendre dans la salle un bon. Amen. Amen. Voilà, place à la parole de Dieu. Peut-on acclamer la parole de Dieu? Hors la loi, dit maladie illégale, oppression démoniaque, tu es illégal. Mais pour le dire, tu dois savoir pourquoi tu dis que c'est illégal. C'est parce que c'est quand tu sais qu'une chose n'est pas dans la légalité que tu as la force, l'audace et le courage de la confronter. Quand tu ne sais pas, c'est comme si tu as une maison et tu arrives chez toi, quelqu'un est rentré, il s'est assis dans ton salon et que tu sais que c'est ta maison, tu sais, tu as l'audace, tu as l'assurance de lui dire « dégagez de ma maison ». Pourquoi ? Parce que là, c'est illégal. C'est une prise abusive, une occupation abusive des lieux, ce n'est pas à toi. Tu es un squatteur, tu dois dégager. Quand tu vois quelqu'un chez toi qui n'a rien à faire chez toi, même quand tu n'es pas fort, tu vas devenir fort. Parce que quand c'est illégal, ça fait monter en toi une sainte colère. Dans le monde spirituel, il faut connaître le droit, la loi. C'est quand un démon ne respecte pas la loi, quand un virus ne respecte pas la loi, que tu peux dire maintenant, je prends des réquisitions auprès du juge avec la puissance pour imposer ce que le juge a établi. Mais qu'est-ce que le magistrat, le juge a établi? Je prends des réquisitions pour aller dégager les squatteurs. Mais encore faut-il connaître quelles sont les réquisitions? Parce que la puissance agit sur la parole. Dis avec moi, maladie, hors la loi, aujourd'hui, dehors, démon de l'enfer, sorcellerie, esprit qui oppressait mon âme, qui oppressait mon corps, illégal, aujourd'hui, dehors, au nom de Jésus. Dieu n'est pas l'auteur de la maladie. Jamais. Dieu n'envoie la maladie pour juger ses enfants. Jamais. Ça, il faut sortir ça de ta tête. Ça n'a aucun fondement biblique. C'est vrai, il peut enlever sa main de protection
c'est vrai, comme il a fait pour Job, et là, la maladie peut attaquer. Mais ce n'est pas lui qui va prendre. Il ne peut, chacun ne peut donner que ce qu'il a. Non, si c'est vrai, je vais t'entendre dire un bon amen. Comment veux-tu que Dieu te donne ce que Satan a? La maladie vient du diable. La maladie est une mort latente. Si elle n'est pas soignée, elle conduit lentement et sûrement, des fois rapidement, à la mort. Donc, la maladie est une respiration de Satan. C'est la respiration du diable. Parce que la maladie est une forme de vie. Dieu a sa vie, Satan a sa vie. La vie de Dieu s'appelle Zoé Aionios, c'est la vie éternelle. La vie du diable s'appelle Thanatos, c'est la mort. Quand Satan respire, sa respiration détruit. Et cette respiration se manifeste à travers toutes sortes de corps étrangers, d'agents destructeurs, de virus, de microbes, de parasites, de micro-organismes qui sont là pour tuer, qui n'existaient pas au commencement. Qui est-ce qui a introduit la maladie? Exactement, pour être précis, c'est le péché. Premièrement, à travers la désobéissance de Adam, le péché est entré dans le monde. Et à travers le péché a emmené dans ses bagages la mort. Et ainsi, la mort a atteint tous les hommes parce que tous ont péché. Et avec moi, péché. Quand il dit le péché est entré, il n'a pas dit les péchés. Il n'a pas dit l'impudicité, l'adultère, la jalousie, le vol, la fornication, le mensonge, les faux témoignages. Non. Quand il dit par un seul homme, le péché est entré, il ne dit pas les péchés, parce qu'avant les péchés, avant qu'il n'y ait les péchés, il y avait d'abord le péché. C'est une nature que l'homme ne connaissait pas. L'homme connaissait la gloire. Quelque chose est rentré et s'est attaché à lui après sa désobéissance. Quand Adam et Ève ont péché, sur l'esprit, s'est collé quelque chose. La gloire est partie, la magnificence est partie, et parce que la nature a horreur du vide, c'est quelque chose d'autre qui a collé l'homme. Donc le péché a habillé l'homme d'un vêtement, de quelque chose de souillé, d'un vêtement de culpabilité, d'un vêtement de prisonnier, parce que cet homme a été condamné à mort. La Bible dit dans Romains 6 au verset 23, car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Le salaire du péché, c'est la mort. Dieu a condamné le péché. Et dès lors que ce péché, le péché est condamné, le péché contient la mort. Celui en qui se trouve le péché, la mort a le droit légal d'opérer en lui. Celui qui transporte, qui habite dans le péché, celui en qui se trouve cette nature, le péché attire la mort. Autrement dit, les démons de l'enfer, les maladies, les agents du royaume des ténèbres qui opèrent à travers le monde organique, les virus, les microbes, les parasites, les bactéries tueuses, tous ces agents de Satan ont le droit légal d'affliger toute personne en laquelle se trouve le péché. Dès lors que ce péché est là, les microbes disent on a le droit. Pourquoi? Parce que le salaire, la conséquence, la récompense, la conséquence, la logique, la suite logique du péché, c'est la mort. Dès que le péché est là, les virus, les microbes, les bactéries tueuses et les démons disent on a le droit légal. Aux États-Unis, les prisonniers portent tous en permanence
un habit orange. Une combinaison orange. En France, c'est quelle couleur? Il n'y en a pas. Hein? Quand vous regardez Guantanamo, tous les prisonniers ont la même tenue. C'est la tenue des condamnés à mort. En fait, c'est comme si l'homme intérieur, Adam, et toute sa race ont été marqués d'un vêtement orange des condamnés à mort. Dès que les démons voient le vêtement orange, on sait que celui-là, c'est du beefsteak tout cru. Dès que les virus voient le vêtement orange, ils savent qu'ils ont le droit de l'affliger. Dès que les bactéries tueuses voient le vêtement orange, elles savent qu'elles ont le droit de le ronger jusqu'à la moelle. Pourquoi? Parce que la différence, c'est le vêtement. Donc le péché a attiré à l'homme un vêtement auquel il ne s'attendait pas. C'était le vêtement des condamnés. Tant que tu as le vêtement, les gardiens savent que tu es un condamné à mort. Tant que tu as le vêtement, personne ne te respecte parce qu'on sait que tu es condamné à mort. Tant que tu as le vêtement, les maladies disent miam miam. Tu peux dire au nom de Jésus, les maladies disent non. Tu as le vêtement. Tant que tu as le vêtement, tu es dans le couloir de la mort. Dis avec moi, le problème, c'était le péché. Donc, pour résoudre le problème de la maladie, des afflictions, des infirmités, des harcèlements démoniaques, pour résoudre le problème du chaos causé par Satan, Dieu ne pouvait pas commencer par Satan, Dieu devait commencer par le péché. Parce que c'est le péché qui est le foyer de développement et de prolifération des activités démoniaques. Quand tu vas comprendre, tu vas dire, mais tu es illégal, mais tu es hors la loi, mais tu n'as pas le droit. Pour délivrer l'homme des conséquences du péché et du pouvoir de Satan et du pouvoir de la mort, Dieu devait changer ce vêtement de prisonnier, ce vêtement orange. Le problème, c'est le vêtement. Le vêtement a un pouvoir d'attraction nuisible et dévastateur. Oh, si tu me suis dit amen, il y a quelqu'un, le problème, c'est le vêtement. Quand Adam et Ève ont péché, Genèse 3, versets 7 à 10, ils ont voulu eux-mêmes fabriquer un vêtement. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, comment vas-tu coudre, t'habiller avec des feuilles de figuier? Parce que les feuilles de figuier ont la particularité d'être des feuilles. Et les feuilles ne durent pas. Si c'est vrai, dis amen. Ils s'enfirent des ceintures. Alors, ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu ? » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. » Regarde ce que le péché a introduit. Dès qu'ils ont péché, ils ont eu tout de suite la conscience du péché. Ils ont su qu'ils avaient... Autrement dit, le péché a ouvert la porte au sentiment de nudité, de saleté. Tout de suite, grondés par leur conscience, ils sont allés se cacher. Et c'est le péché qui a ouvert la porte au sentiment de saleté.
au sentiment de culpabilité. Je sais que c'est ma faute. Vous n'avez pas idée de combien de gens sont rongés par la culpabilité. Combien de gens ne croient pas que Dieu peut les guérir à cause de la culpabilité. Combien de gens ne croient pas qu'ils peuvent être complètement libres à cause de la culpabilité. Parce qu'il y a toujours une voix d'un accusateur qui dit, oui, attends, c'est trop facile quand même. Hein? Tu sais, c'est bien fait, c'est trop facile. Avec tout ce que tu as fait hier, c'est trop facile, excuse-moi, de venir aujourd'hui me dire, excuse-moi, mais Dieu m'a pardonné, je demande pardon. Ah ouais, d'accord, c'est mieux de demander pardon. Regarde comment ce que tu as fait. Avortement. Tu as vu ce que tu as commis? Divorce, violence, crime, meurtre, haine, déchirement des familles, abandon du domicile conjugal. C'est facile de venir dire que j'ai demandé pardon, maintenant pardonne-moi. C'est facile parce que tu as quand même fait beaucoup de dégâts avant ça. Et il y a une voix qui parle au cœur de l'homme. Voilà pourquoi beaucoup de gens essaient de faire le bien. Parce qu'ils essaient d'apaiser la conscience. Parce que depuis le jardin, l'homme transporte la conscience du péché. Voilà pourquoi les hommes essaient de faire le bien. Parce qu'ils se disent au moins, ça va atténuer un peu quand même. Quelque part, il y a une voix qui leur dit que tu es coupable. C'est facile de venir dire que maintenant tu as changé, tu as demandé pardon. Et ce que tu as fait hier alors? Alors à cause de ça, il y en a, quand la maladie est là, ils disent, cette maladie, quelque part, c'est la conséquence de tout ce que j'ai fait. Ces souffrances, c'est la conséquence de tout ce que j'ai semé. Alors quand Dieu dit, parle à la maladie, dis-lui, non coupable, disent, maladie, non coupable. Pourquoi? Parce qu'il y a une voix qui lui dit, baisse d'un ton, baisse d'un ton. Ferme la bouche. Parle pas fort. Tu n'es pas digne de parler comme ça. Regarde ton passé. Tu fermes ta bouche. Parce que depuis la chute, la conscience du péché, la conscience du péché empêche beaucoup de croyants de marcher dans la guérison, dans la santé et dans la libération totale. Parce qu'ils pensent quelque part quand même que s'ils n'avaient pas fait ce qu'ils ont fait, ils n'auraient pas ce qu'ils ont. Donc, je veux bien, mais j'ai du mal à me débarrasser de cette conscience de culpabilité. C'est parce que tu n'as pas compris le vêtement. À cause de cette conscience du péché, l'homme a perdu son assurance. Voilà pourquoi quand il est malade, il va gentiment prendre ses médicaments. Parce qu'il ne se sent pas l'instinct de domination qu'il avait au commencement sur la création. Le péché l'a corrompu. Parce qu'au commencement, avant le péché, il avait la domination sur tout ce qui se meut sur la surface de la terre. Si tu veux voir ça, regarde comment a opéré le dernier Adam. Puisqu'il commande la tempête, il commande la fièvre, il commande les cancers, il commande les sida, il commande tout. Mais à cause de la conscience du péché, il ferme la bouche, il va tranquillement prendre ses médicaments, ce qui n'est pas mauvais. Parce qu'il sait qu'il n'ose pas parler à la maladie. Parler aux démons, parler à tous ces agents du royaume des ténèbres, des esprits de sorcellerie. Il fait profil bas. Pourquoi? Parce qu'une voix l'accuse et lui fait comprendre qu'il n'est pas digne de se tenir devant Dieu. Débrouille-toi, aide-toi, le ciel t'aidera. Ne compte pas sur Dieu, espèce de pépépé, pauvre petit pécheur, comme dit Carambule. Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser.
l'accusateur. Le gars est devant Dieu. Josué était le souverain sacrificateur. Celui qui était censé faire l'expiation, présenter le sacrifice pour le pardon des péchés de tout le peuple. Le gars, Josué, se tient devant l'ange de l'Éternel. Et Satan est à sa droite pour l'accuser. L'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te réprime, Satan. Que l'Éternel te réprime. C'est, tu te rends compte? Ça, c'était l'Ancien Testament. Dis Amen. Amen. Dis Amen. Amen. C'était l'Ancien Testament parce qu'un homme ne pouvait pas réprimer Satan. C'est l'Éternel qui est obligé de réprimer Satan. Un homme ne pouvait pas parce qu'on n'était pas encore dans la nouvelle alliance. Alors, l'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te réprime, Satan. Que l'Éternel te réprime. Lis, lui qui a choisi Jérusalem. N'est-ce pas là un tisson arraché du feu? Ou encore, d'autres versions disent un bout de bois arraché du feu. Or, Josué était couvert de vêtements sales. La vision que tu vois, il dit, il me fit voir, Josué. Ça veut dire que ce n'était pas une vision physique. Il dit, Amen. C'était spirituel. Donc, Josué était couvert de vêtements sales. Ce n'était pas des habits physiques. Or, Josué était couvert de vêtements sales et il se tenait debout devant l'ange. Incapable de se défendre. Incapable de plaider. Incapable d'argumenter. Pourquoi? Parce qu'il était couvert de vêtements sales. Le vêtement sale ferme la bouche des gens, les empêche d'argumenter, les empêche de parler. Le vêtement muselle les gens, le vêtement intimide. Je ne suis pas digne, je ne mérite pas. Qui suis-je pour oser? Qui suis-je pour faire ça? Le vêtement conditionne le système de pensée des gens. C'est un vêtement de prisonnier. Et beaucoup qui ne sont pas conscients du vêtement dont je vais parler tout à l'heure ont la même attitude. J'ai accepté Jésus, mais comme on ne m'a pas expliqué, je continue d'avoir le vêtement. Je suis dans la présence de Dieu, mais je me sens sale. Pas parce que je suis sale, mais juste parce que j'ai la conscience du péché et je n'ai pas la conscience de la justice. L'ange, prenant la parole, dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui les vêtements sales. Puis il dit à Josué, vois, je t'enlève ton iniquité. Je te dis que le péché, que l'iniquité a habillé l'homme d'un vêtement. Si tu me suis dit, Amen. Ôtez-lui le vêtement sale. Puis il dit à Josué, vois, je t'enlève ton iniquité et je te revêts d'habits de fête. Dis à quelqu'un, la clé, c'est le vêtement, je te dis. Je dis qu'on mette, verset 5, sur sa tête un turban pur. Et ils mirent un turban pur sur sa tête et lui mirent des vêtements. L'ange de l'Éternel était là. Et quand tu vas voir la suite, maintenant après, Dieu a pu maintenant parler à Josué et commencer à lui donner des paroles prophétiques pour donner à Zorobabel, pour donner un tel. Tu sens qu'après ça, Josué a relevé la tête. Comment a-t-il relevé la tête? Uniquement grâce à un changement de vêtements. Il y a quelqu'un, la clé, non, dis-lui le problème, c'est le vêtement. Donc, comme je disais tout à l'heure, beaucoup ne sont pas croyants. Ils essaient de faire des bonnes œuvres. Ils essaient de faire des bonnes œuvres. Et même les chrétiens. C'est bon de marcher dans la sainteté. C'est bon d'être généreux, dis Amen. Mais beaucoup font tout ça parce qu'ils espèrent qu'il ne va pas leur arriver
un problème et qu'à travers leurs bonnes œuvres, Dieu va un jour avoir pitié et Dieu dit vraiment, ne m'envoie pas la maladie. Et comme et lorsque, comme Job, un jour, la maladie les frappe, et eux et leur famille, ils disent, ah, mais je t'offrais des sacrifices tous les jours, je faisais ça. Pourquoi ça m'a atteint? Parce qu'ils croient que les bonnes œuvres, les bonnes actions changent le vêtement spirituel. Or, la vérité, c'est non. Les bonnes actions ne changent pas la nature du vêtement que possèdent les Adam. C'est rouge, non, c'est orange. Même si tu fais le bien dans la prison, ta tenue reste orange. Mieux que ça, mieux que ça, mieux que ça. Dis avec moi, le problème, c'est le vêtement. Ésaïe 64, verset 6. Verset 5 à 6, il dit, regarde ce qu'il dit. Nous sommes tous comme des impurs. Et toute notre justice, tout ce que nous faisons, que nous considérons juste, parce que les hommes ont ce qu'ils considèrent comme étant juste. C'est juste de faire comme ça. C'est juste d'aller en Irak. C'est juste d'aller contre les terroristes. C'est juste. Tout ce qu'ils déclarent être juste. Il dit, toute notre justice est comme un vêtement souillé. La version seconde 21 dit, toute notre justice est pareille à un habit taché de sang. Souillé. J'ai fait des choses, Dieu dit souillé. Adam fait des choses, Dieu dit souillé. J'ai posé telle bonne action, souillé. La tenue reste orange. Les démons disent miam miam. Les virus disent yes. Les bonnes actions ne changent pas la couleur, la nature du vêtement de l'homme intérieur. C'est pour ça qu'il dit, toute notre justice est comme un vêtement souillé. Ce vêtement souillé, notre justice, c'est ce que Adam et Ève ont fait. Ils sont allés eux-mêmes fabriquer un vêtement, mais avec des feuilles de figuier. Pourquoi? Ils se disaient, avec ça, on va essayer de cacher notre embarras, notre nudité. On va essayer de cacher tout ce qu'on a. On va essayer de cacher le fait que la gloire est partie. On va essayer de le cacher. On va essayer de se donner bonne. On va essayer, là, on est conscient du péché, mais on va essayer de réduire le niveau de conscience en essayant de réparer les mauvaises actions avec quelques bonnes actions. Donc hier, j'ai ramassé les gens là, mais aujourd'hui, je vais essayer d'être un peu gentil parce que il faut quand même que j'ai, parce que ma conscience me gronde. Le péché, non seulement a séparé l'homme, a créé une séparation avec Dieu, ce vêtement a fait en sorte que papa bondier, comme dit Pasteur Caramiri, ne pouvait plus voir l'homme en prison. Exactement comme quand certaines personnes ont commis au crime odieux. Des fois, le père ne le voit plus à cause de ce qu'il a fait. Il y a un fossé. La tenue orange l'a envoyé dans un endroit où le père ne peut pas arriver. Et la vérité concernant Dieu, c'est que Dieu, même quand il aime, il est trop saint. Et que le vêtement détourne sa face. Voilà pourquoi le jour où Jésus est devenu l'agneau qui a ôté le péché. Dieu aimait le Fils, le Père aimait. Le Père dit, je ne peux pas. Adam, je ne peux pas. Jésus, je ne peux pas. Pourquoi? Il est trop saint. Qu'est-ce que Dieu est en train de dire dans le livre de Genèse? Le vêtement que tu essaies de te fabriquer pour avoir accès à Dieu ne te donne pas l'accès à Dieu. Dieu est en train de dire à Adam et Ève, c'est moi qui dois faire le vêtement.
et vous le faire porter. C'est moi qui dois donner le vêtement. Dis-moi amen. Parce que si je ne donne pas le vêtement, malgré tes bonnes actions, tu restes condamné à mort. Et la Bible dit dans Romains 4, verset 3, « Car que dit l'Écriture, Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. » Ça veut dire que dès lors que Abraham a cru, Dieu, à cause de sa foi en Dieu, le vêtement de condamné à mort a été enlevé. Et Dieu lui a mis un nouveau vêtement. Et ce vêtement s'appelle la justice de Dieu. C'est-à-dire que c'est uniquement quand tu mets ce vêtement que Dieu non seulement dit « Maintenant, tu peux accéder à moi. » Mais quand tu mets ce vêtement, les démons savent que tu n'es plus condamné à mort. Pour te faire quitter le couloir de la mort et t'emmener dans le couloir de la vie, la clé, c'est un changement de vêtements. Ce n'est pas d'abord prier, ce n'est pas d'abord jeûner, ce n'est pas d'abord faire les bonnes actions, non, c'est le changement de vêtements. Dis-moi amen. Lorsque Abraham a cru, le vêtement de péché lui a été enlevé. Exactement comme Josué le souverain sacrificateur. Et un vêtement de justice. Abraham crut, cela lui fut imputé à justice. De version 10, Dieu l'a déclaré juste. Dis amen. Mais Dieu l'a déclaré juste. Ça ne veut pas dire qu'Abraham a commencé à être quelqu'un de parfait. Ça ne veut pas dire qu'Abraham disait la vérité désormais. Ça ne veut pas dire qu'Abraham était quelqu'un de carré. Non, parce que même quand il a fait cette alliance avec Dieu, Dieu l'a déclaré juste. Abraham a continué à mentir à propos de sa femme. Il a continué de cafouiller et d'entuber le monde. Est-ce que quelqu'un me suit? Quelle est la clé que tu dois comprendre? La clé, c'est le vêtement. Ce qui te rend agréable à Dieu, ce n'est pas ce que tu fais, c'est le vêtement qui te qualifie. C'est le vêtement qui fait que Dieu agrée. Ce n'est pas ce que tu as fait. Si tu as fait du mal, quand tu es né de nouveau, si tu as fait du mal, tout ce que tu as à faire, c'est demander pardon. Quand tu as péché, le vêtement que Dieu a mis sur toi de la justice ne part pas. Le vêtement est toujours là. Il se salit, mais quand tu demandes pardon, le sang de Jésus purifie le vêtement. Mais le vêtement est toujours sur toi. Si tu n'es pas né de nouveau, si tu pries, tu fais le bien, Dieu te dit, ça ne suffit pas. Il faut que je te donne le vêtement. Il faut que je te mette une cuirasse. Il faut que je te donne mon vêtement à moi. Dis amen. Si tu es né de nouveau, Dieu te dit, sois conscient, arrête d'être conscient de tes péchés. Arrête d'être conscient de ce que tu as fait. Arrête d'être conscient des erreurs, des fautes. Sois conscient du vêtement. Parce que tu peux avoir le vêtement, mais être dans tes pensées en permanence conscient du péché et non pas de la justice. Parce que la vérité, c'est que ce n'est pas parce que mon enfant a fait une grosse faute qu'il a cessé de devenir mon enfant. Tout ce que je lui demande, c'est demande pardon et la relation est rétablie. Dis-moi amen. Dis à quelqu'un, prends le vêtement, prends le vêtement, prends le vêtement. Ce vêtement, c'est la justice. La justice, la Bible dit que c'est une cuirasse. Dis avec moi, cuirasse. Quand quelqu'un met une cuirasse, la cuirasse cache ton corps.
La cuirasse cache tes imperfections, les boulets. La cuirasse te donne des pectoraux, même quand tu n'en as pas. La cuirasse fait que quand on donne un coup de poing, on entend boum, ouh, on ne touche pas ton ventre, on touche la cuirasse. La cuirasse est un vêtement. La cuirasse parle. Parce que ce vêtement, appelé la cuirasse de la justice, signifie, lorsque Dieu te le met, signifie que Dieu vient de changer ton sort. Tu étais condamné à mort, maintenant tu es destiné à la vie éternelle. Dans l'Ancien Testament, au temps de Moïse, le peuple a marché dans le désert sans être frappé de maladie. Alors que le peuple péchait. Mais comment ce peuple a fait pour ne pas être détruit pendant qu'il marchait à la sortie d'Égypte? En fait, Dieu, dans toute l'histoire, pour préserver son peuple, devait lui communiquer son vêtement, appelé la justice. Dans l'Ancien Testament, le peuple, au temps de Moïse, le peuple devait emmener un animal, un agneau qui était parfait, qui était pur, qui était sans tache, qui était irréprochable. Et une fois par an, le souverain sacrificateur devait égorger l'animal, l'agneau. Et quand il l'égorgeait, avant de l'égorger, le souverain sacrificateur devait imposer les mains sur l'agneau. En fait, j'essaie de dire une chose simple. Dieu ne demandait pas au peuple d'être parfait. Dieu demandait que l'agneau soit parfait, qu'il n'ait aucune tache. Et après, il devait faire l'expiation pour tout le peuple. Il mettait les mains sur l'agneau. Et puis, il prononçait des paroles par lesquelles il transférait tous les péchés du peuple sur l'agneau. C'est l'agneau qui devait être pur et parfait et sans tache. Ce n'est pas le peuple. Le peuple avait des fautes, il avait des failles, il avait des manquements. Mais Dieu ne regardait pas au peuple, Dieu regardait à la qualité de l'agneau. C'était une ombre de l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Quelqu'un me dit amen. Alors pourquoi croire en Jésus? Parce que Jésus seul, dans aucun autre livre, il est écrit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ». Dans aucun livre, personne ne s'est identifié comme étant l'agneau qui ôte. Parce que tant que le péché n'est pas ôté, le vêtement orange n'est pas ôté. Jésus seul est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Romains 5, verset 19 te dit, « Car comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. » Et le mot « juste », ça veut dire « non coupable », ça veut dire « acquitté », ça veut dire plus de condamnation à mort. Ça veut dire le vêtement orange. Ciao, ciao, bye, bye, tu quittes ma vie. Dis-moi amen. Écoute-moi, Dieu ne veut pas seulement te guérir. Dieu ne veut pas seulement te délivrer d'un esprit qui t'oppresse. Dieu veut te donner le vêtement. Parce que si Dieu te guérit d'une maladie, tant que le vêtement est là, d'autres viendront. Dis-moi amen. Mais lorsque le vêtement est parti, le royaume des ténèbres, les démons de l'enfer, les agents du royaume des ténèbres, voient en toi un vêtement de justice. Et le vêtement dit, non, coupable. Dis-moi amen. La clé, c'est le vêtement. C'est le vêtement. Il n'y a que en Christ que Dieu enlève la tenue orange.
Pas dans la religion. En Christ. En Christ. Personne d'autre. Ni Mohamed, ni Bouddha, ni Christ. Christ. Parce qu'un seul est l'agneau qui ôte le péché du monde. La Bible dit, 2 Corinthiens 5, 21, celui qui n'a point connu le péché, Dieu l'a fait devenir péché, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Oh, acclame, 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 acclame! Merci pour la justice! Tu dois, je te supplie de prendre ce vêtement. Prendre ce vêtement de justice, ça veut dire oui à Jésus. Si tu ne le prends pas, Dieu peut te toucher, ce n'est pas un problème. Mais en sortant demain, tu ne sais pas ce qui peut arriver. Mais le vêtement parle. Le vêtement est sur l'esprit. Le vêtement est reconnu. Les démons savent qui est condamné à mort. Et les démons savent à qui on a changé de vêtement. Il y a plus d'une personne ici. Ton vêtement a été changé depuis longtemps. Mais le problème, c'est que tu n'es pas conscient de ce que le vêtement a été changé. Voilà pourquoi quand tu pries mal. Tu pries comme un mendiant. Alors que tu aurais dû dire, excusez-moi, monsieur le procureur accusateur, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous. Je viens de découvrir et d'apprendre et je viens de comprendre qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Je viens de découvrir que je restais dans la prison de la maladie, dans la prison de la sorcellerie. Mais en fait, j'avais oublié qu'en réalité, mon vêtement avait déjà été changé. Que fais-tu là? Que fais-tu dans ce corps? Ce corps ne t'appartient pas. Il y a un vêtement sur moi. C'est la justice de Dieu. Dis-moi amen. Tu dois être conscient de ce vêtement et non conscient de tes péchés. Quand l'ennemi te dit oui, tu parles comme ça, mais hier tu as encore couché, hier tu as encore menti, tu dis, la Bible dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner, et le sang nous purifie de tout péché, le vêtement redevient pur. Il y a des gens qui ne comprennent pas. Comment je suis chrétienne? J'aime le Seigneur. On me dit que j'ai des fibromes. Je suis chrétienne. On me dit que j'ai des kystes. Je suis préservée. Je n'ai pas couché. Je ne me suis pas compromise. J'ai marché avec Dieu. Et comment j'ai un fibrome? Comment j'ai une tumeur? Comment j'ai un cancer? Tu es en train de dire, mais j'ai fait le bien. J'ai fait le bien. Parce que tu crois que c'est le bien qui change la tenue. Non. C'est l'habit. C'est la foi en Christ. Te confère l'habit, le vêtement de condamné à mort, t'a envoyé dans une prison. La prison de la sorcellerie, la prison de la dépression, la prison de l'échec, la prison de l'impudicité, la prison de la colère, la prison de dépendance, des addictions. Ce sont des prisons. Dieu me dit de te dire, sois conscient du vêtement. Dieu a déjà tout fait. Il ne va pas venir te sortir parce que dans le monde spirituel, il t'a déjà sorti. Tu as déjà été délivré de la puissance des ténèbres. C'est à toi d'être conscient. Mais qu'est-ce que je fais dans cette prison avec des condamnés à mort en tenue orange alors que moi, j'ai une tenue blanche, la tenue des sanctifiés. Qu'est-ce que je fais dans cette prison? C'est à toi de dire, je sors de cette prison aujourd'hui. Pourquoi? Parce que j'ai été, Christ a été condamné à ma place. Il n'y a pas de double peine. Il a payé à ma place. Il m'a donné un habit nouveau.
appelé la justice. J'ai un vêtement blanc, le vêtement de la pureté, de la sainteté, le vêtement de la splendeur. Maintenant, je sors de cette prison au nom de Jésus. On est né de nouveau, le vêtement du péché est parti, on a maintenant le vêtement de la justice. Ce qui veut dire que cette maladie, cette douleur n'avait pas le droit d'être sur moi. Et j'ai ressenti dans mon cœur que franchement, que ce message était vraiment vrai pour moi et qu'il fallait que j'arrête de prendre ce médicament. Parce que moi, j'avais l'habitude d'avoir mal pendant les 3 premiers jours. Le vendredi soir, je rentre chez moi, il fallait que je dorme. Et moi, pour dormir, il faut que je prenne le médicament. Mais je me suis dit non, cette fois-ci, je vais prendre autorité. Cette maladie doit partir. Donc, j'ai prié, j'ai dit Seigneur, je te prie, il faut que cette maladie, elle parte. Mais il y avait toujours mal, j'avais toujours mal. Bon, j'ai dit je vais dormir, je me suis endormie. Toute la journée de samedi, après avoir prié et d'avoir commandé sur mon vêtement, toute la journée de samedi, j'ai plus eu mal. Alors que d'habitude, il fallait que j'ai mal vendredi, samedi, dimanche et que je prenne des médicaments. Mais toute la journée de samedi, j'ai pas eu mal. Et aujourd'hui, j'ai pas pris de médicaments parce que j'ai pas du tout mal. Gloire à Dieu et merci vraiment à Dieu de nous avoir appelé qu'en fait, on a un vêtement et que ces maladies ne sont pas légales dans notre corps. Moi, vendredi, en arrivant au temps de prière, j'étais très abattue parce que depuis 15 jours, j'ai découvert que j'avais un kyste au niveau de ma gorge qui était très enflé et très douloureuse dès que je posais mon doigt dessus. Et une fois le message du pasteur distribué, je me suis dit, mais pourquoi j'ai à subir cette maladie? Si Christ vit en moi, si j'ai une identité en Christ, pourquoi je dois subir la maladie? Mais je n'ai pas à me sentir coupable, en fait. Et donc, à ce moment de temps de prière d'autorité, je me suis mise à lever ma voix, à demander à la maladie de sortir de mon corps parce qu'elle n'avait pas sa place en moi, parce que j'avais un nouveau vêtement. Je devais saisir ce nouveau vêtement et je me suis dit, je dois sortir d'ici sans cette douleur. Je dois partir avec une gorge différente parce que Dieu m'a donné une gorge sans ce kyste, sans quoi que ce soit. Et je n'avais pas à repartir chez moi comme j'étais arrivée. Donc quand on a fait le moment d'appel, je me suis avancée, on a prié pour moi et on a imposé les mains sur moi. Et je peux vous dire qu'en rentrant chez moi le soir, j'étais devenue quelqu'un de différente parce que cette douleur a disparu. Mais depuis vendredi soir, tout va, je n'ai plus de douleur et je remercie le Seigneur pour cela, pour ce nouveau vêtement. Et mon ami bouddhiste, il a appelé ses amis pour leur faire part de ce qu'il a vu, de ce qu'il a vécu. Et vraiment, il y avait des témoignages de gens qui ont été délivrés d'esprits mauvais, de démons en fait. Et voilà, donc il est vraiment, vraiment très impressionné, vraiment très touché par cela. Arrivé avec des maux de tête violentes et des douleurs qui sont sans doute dues à une infection que les médecins m'avaient diagnostiquée il y a un peu plus d'un an. Je suis arrivée avec des maux de tête et des douleurs au ventre, à ne plus pouvoir penser, à vouloir me cogner la tête contre les murs tellement la douleur était atroce. Je ne tenais plus sur mes jambes, j'ai dû m'asseoir avant d'arriver devant le pasteur. Je me suis assise pour reprendre un peu mes esprits. Et en arrivant devant le pasteur, il m'a demandé pourquoi j'étais là. Je lui ai expliqué donc, que j'avais des douleurs et des maux de tête violents. Et il m'a demandé est-ce que je croyais avoir reçu la guérison. Je lui ai dit oui, je le crois. Et c'est de là qu'il m'a imposé les mains et après donc, je suis tombée. En me levant, j'avais plus aucune douleur au ventre, aucune douleur à la tête. Et jusqu'à aujourd'hui encore, gloire à Dieu, je n'ai aucune douleur nulle part, je me sens très bien. Pour moi, ces douleurs et tous ces maux étaient dus à la maladie. Donc pour moi, c'était quelque chose de normal. Et j'ai compris vendredi, grâce au message, que c'était quelque chose d'illégal, qui n'avait pas le droit d'être dans mon corps. Et donc j'ai prié cette fois, j'ai prié vendredi vraiment avec plus de ferveur, de conviction. Et j'y ai cru, j'ai vraiment cru que cette fois, la maladie allait partir, allait quitter mon corps. Et c'est ce qui a fait, c'est ce qui a fait que cette maladie et ces maux de tête ont quitté mon corps et mon ventre et ma tête. J'avais des douleurs de dos en fait suite à une visitation en fait dans un rêve que j'avais fait bizarrement
au mois de février, dont un homme de nuit qui venait en fait sur moi. Et suite à ça, en fait, j'avais des douleurs qui s'intensifiaient en fait au fil des temps. Ah, en fait, je suis rentrée d'Afrique aussi jeudi. Donc en fait, je suis revenue en fait avec les symptômes du palu. Et donc je suis venue, en fait, j'avais mal à la tête, j'avais des courbatures, j'avais les narines bouchées, les douleurs au niveau du dos, en fait, c'était de plus en plus intense. J'ai appris que voilà, le vêtement orange que je portais en fait de prisonnière a été en fait enlevé en fait, et que maintenant en fait je suis revêtue d'un nouveau vêtement, le vêtement de justice, le vêtement blanc de sainteté, et que voilà quoi, les douleurs de dos, les maris de nuit, le paludisme en fait, ils étaient illégaux en fait dans mon corps en fait. Le vendredi soir, quand je suis ressortie de là, dans ce moment en fait, j'ai même pas fait attention, j'avais plus mal à la tête, j'avais plus de courbatures, mes narines, je respirais correctement, tout allait bien, que je me suis rendu compte que le mal de dos en fait avait disparu, et voilà. Et tout va bien, je peux marcher, je peux m'asseoir, j'ai plus besoin d'un coussin pour me maintenir en fait. Voilà, j'ai rien pris finalement en fait, les médicaments qui devaient arriver du palu, finalement je les ai pas reçus et je les ai pas pris. Donc voilà, merci, je suis super contente, merci. Il y a 2 à 3 semaines en arrière, j'étais à Abidjan et j'ai eu des attaques sérieuses, j'avais du mal à respirer. Je ne pouvais pas respirer, mais je ne savais pas exactement ce qui se passait. Donc, ça a été très difficile. Et après une semaine, je suis rentré en France. Je rentre en France, je vais voir mon médecin. J'ai été ausculté, on a constaté que j'avais un souffle dans les poumons, un dyspnée. Ils ont appelé ça un dyspnée. Je ne savais pas exactement ce que c'était. Et donc, on m'a demandé de laisser ma voiture et qu'il fallait que je rentre aux urgences avec une ambulance. L'ambulance est venue. J'ai été donc aux urgences à Henri Mondor. Pendant 11 heures, j'ai été visité, les médecins m'ont vu. Toutes les analyses ont été faites, ils n'ont absolument rien trouvé. Ils savaient que la poitrine, le cœur battait en désordre, mais ils ne savaient pas exactement d'où ça venait. Donc après 11 heures, j'ai été libéré et je suis rentré à la maison. Ils m'ont demandé de revenir le lendemain. Je suis reparti le lendemain, ils ont constaté les mêmes faits. Donc, ne sachant pas qu'est-ce qu'il fallait faire, ils m'ont libéré. Le vendredi qui suivait, c'était atmosphère de miracle. Je suis donc venu avec une ferme volonté de régler ce problème de respiration, des problèmes que je ne connaissais pas auparavant. Au cours de la prière, le pasteur disait que la sorcellerie était illégale et qu'on n'avait pas à être attaqué. Et j'ai compris que cette parole était à moi. Donc, tout d'un coup, j'ai eu la foi. Je me suis dit, c'est aujourd'hui qu'il fallait que je règle ce problème de respiration, pas demain. Et donc, on a prié efficacement et tout d'un coup, j'ai constaté que j'avais plus ce problème de respiration que j'avais au départ. Je suis rentré à la maison, je n'osais pas le dire parce que je voulais voir réellement si ce que je sentais était vraiment vrai. Et bien, à l'heure où je vous parle, je n'ai plus ce problème de respiration. Les problèmes de respiration, je n'en connais pas. Je suis délivré, je suis guéri. Et si je suis là devant vous aujourd'hui, c'est surtout pour remercier le nom du Seigneur. Je dis Amen, je dis Alléluia, et que je marche sur les serpents et les ennemis. Je suis une nouvelle création, et étant une nouvelle création, je bénis le nom du Seigneur. La guérison est effective, et je dis donc gloire à Dieu. Ça faisait maintenant 3 mois. Que j'avais des hallucinations. Il pouvait y avoir une feuille morte à terre, mais mes yeux voyaient un chat. Et lorsque je m'approchais, je me rendais compte qu'en fait, il s'agissait d'une feuille morte. Il m'arrivait aussi de marcher et de voir des choses qui se transformaient, un poteau qui pouvait se transformer en toutes sortes d'animaux que je ne connaissais même pas, où je voyais des ombres, des silhouettes partout. Et tout ça, ça m'angoissait, ça me stressait. À chaque fois que je devais sortir, j'étais dans la crainte. Quotidiennement, j'étais dans la crainte, dans l'angoisse. Tout ce que je faisais, j'étais complètement oppressive. Et tout ça, en fait, ça engendrait une forme de l'angoisse s'est transformée en tristesse, en dépression. Je me disais, mais c'est pas possible, t'es folle. En plus, tu vas dire ça à qui? Qui va t'écouter? Rien que le fait d'être dans cet état-là,
ça me tuait quelque part. J'en pouvais plus, j'étais accablée. C'était un calvaire que je vivais. Le dimanche, lorsque le pasteur a annoncé la session d'atmosphère de miracle, je me suis dit, j'en ai assez. Ça y est, j'en ai assez et je veux vraiment m'en débarrasser, j'en ai marre. Donc, toute la semaine, j'ai disposé mon cœur. Je me suis mise à prier et je disais au Seigneur, Père, je suis fatiguée, prends-moi. C'était un fardeau, c'était trop lourd pour moi. La prédication du pasteur lorsqu'il disait, que nous avons changé de vêtements, que maintenant j'ai un vêtement blanc. Je dis, ah oui, maintenant j'ai un vêtement blanc. Alors pourquoi? Pourquoi est-ce que je suis toujours enfermée dans cette prison de tristesse, dans cette prison d'angoisse, dans tout ça, dans ces hallucinations? Pourquoi est-ce que j'ai tout ça alors que je suis non coupable? Pourquoi est-ce que j'ai tout ça? C'est pas normal. Alors je me suis dit qu'il est temps que je manifeste la foi de Dieu. Et là, à ce moment-là, je me suis dit, ça y est, j'ai le vêtement blanc. Alors je sors de cette prison et j'ai décidé de sortir de cette prison. Et lorsque le pasteur, il nous a dit, c'est bon, ils vont nous imposer les mains. Je suis allée devant et j'étais encore en train de me dire, je vais être sauvée, je vais être libérée, je suis non coupable. Donc le pasteur a prié pour moi. Et là, je me suis dit, mais j'ai senti comme quelque chose qui s'en allait. Mais c'était pas complètement fini. Et le dimanche encore, lors de la prière, le pasteur nous disait de lever la main si on était dans ce cas-là. Et moi, il y a une voix dans ma tête qui me disait, mais c'est pas toi. Toi, ça va. Je suis allée devant et lorsque le pasteur nous a dit, mettez votre main sur votre front et qu'il a compté jusqu'à 3, alors là, je suis tombée. Et ils ont commencé à prier pour moi. Et à la fin, je me suis sentie libérée. Je me suis sentie en paix. Je me suis sentie légère. Ça ne s'explique pas. Je me suis sentie moi, je me suis sentie libre. J'avais l'impression que je portais une pierre sur mon dos et qu'on me l'a retirée. Il faut que tu saches que la cuirasse de la justice est un vêtement qui est sur toi. Si c'était dans le jargon d'aujourd'hui, on aurait appelé ça le gilet pare-balles. Il sera anti-balles, anti-virus, anti-microbes, antibactéries, anti-malformations, anti-désordre, anti-paludisme, anti-sida, anti-cancer, anti-fibrome, au nom de Jésus, tape ta poitrine et dis, j'ai la cuirasse. Je demande aux leaders de circuler dans les rangées, de circuler dans les salles annexes. Chassez les démons, imposez les mains aux malades. Ils seront guéris à la maladie, au cancer, à la tumeur, à ce désordre, affliction, infirmité. Alléluia. Est-ce que tu as peur, impunité, colère, dépression, dépendance? Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ses témoignages? Alléluia. Dis avec moi, waouh. Dis avec moi, waouh. Et vous savez quoi? Les gens qui ont témoigné ne sont pas des gens qui ont répondu à l'appel à témoignage. Ce sont des gens que dimanche après le culte, il y a l'équipe vidéo qui s'est mise dehors et puis elle a intercepté les gens par hasard. C'est même pas ceux qui avaient promis de témoigner. C'est les gens. En fait, on s'est rendu compte que tous ceux qui sortaient, quand on leur demandait est-ce qu'il s'est passé quelque chose, ils disaient oui. Mais en fait, quand on leur a dit de témoigner, ils n'ont pas témoigné. Ils ne se sont même pas inscrits. Beaucoup de gens sont sortis de là et en fait, beaucoup attendaient d'avoir des confirmations. Mais quand la femme, avec la perte de sang, constate que la perte de sang s'est arrêtée alors que ça coulait depuis longtemps, ça veut dire que Dieu a agi. Tu n'as pas besoin d'aller attendre, faire des radios. Quand la perte de sang s'est arrêtée, la perte de sang s'est arrêtée. Quand ce qui te troublait ne te trouble plus, ça veut dire que Dieu a agi. Ça veut dire qu'il y a plein de monde
qui ont été visités ce jour-là et les jours qui ont suivi et qui ont gardé le témoignage. Tu dois témoigner. Et ce qui, moi, là où j'étais émerveillé, c'est de voir que ce n'est pas le pasteur, c'est la parole qui l'a fait. Toutes les personnes qui ont été visitées, toutes les personnes qui ont été visitées ont dit, moi, je suis non coupable. Je suis non coupable. Il n'y a plus de condamnation parce que la vie de Dieu est dans mon esprit. Si je suis né de nouveau, la vie de Dieu est dans mon esprit et mon esprit, l'ancien vêtement orange de condamné à mort, est parti. Dieu a mis un nouveau vêtement. Et ce qui est dans l'esprit doit finir, doit toujours finir par atteindre le corps. Ça, c'est l'ordre. Parce que les choses naturelles sont un reflet des choses spirituelles. La mort pouvait détruire le corps parce que la mort spirituelle a été effective. Dès lors que l'homme a été séparé de Dieu, la mort spirituelle est venue en lui. Et c'est la mort spirituelle qui a amené la mort physique, qui a amené les maladies. Dis amen. Mais dès lors que mon esprit n'est plus mort, mais il est passé de la mort à la vie, alors la vie divine qui est dans mon esprit doit passer par mon âme, mais doit toucher mon corps. Et tu ne peux pas le manifester si tu ne comprends pas que tu es déjà justifié, non coupable. Ça me donne juste envie d'adorer. Ça me donne envie d'être reconnaissant. Parce que la clé de la puissance, c'est la parole et la présence de Dieu. Alléluia. Prosterné. Nous voulons juste rendre grâce à Dieu. Veux-tu rendre grâce à Dieu? Veux-tu rendre grâce à Yahvé Tsikeno, le Seigneur et ma justice? Merci pour le vêtement nouveau. Merci de ce que je suis non coupable. Prosterné. Sois conscient de la justice. C'est ce qui t'emmène à te prosterner et à adorer. Rempli de gratitude envers ce que Christ a accompli. Prosterné, adorons. Ceux qui adorent sont ceux qui sont reconnaissants. Parce qu'ils sont conscients de la justice de Dieu. Parce qu'ils voient le vêtement pur, fin. Le vêtement de la blancheur, de la splendeur. Le vêtement de la gloire et de la magnificence. C'est le vêtement qui était sur Adam au commencement. Mais que le péché a fait perdre. Et un vêtement de condamné à mort est venu. Mais merci de ce qu'on Christ. Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas célébrer? Posterner, posterner. Aide-moi à être conscient de la justice. Non coupable, tel est mon statut. C'est là que tu peux dire à la sorcellerie, mais comment oses-tu? Qui es-tu pour oser contester les réquisitions du juste juge? La parole a déjà été proclamée. Je ne suis pas destiné à l'affliction. Je suis destiné à la vie éternelle. Et c'est Jésus qui l'a fait. Voilà pourquoi je dis Yahweh, 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 Yahweh. Je suis reconnaissant. Sois conscient de la justice. Ferme les yeux et vois-toi avec une cuirasse. Vois les démons intimidés. Vois les démons terrorisés. Plus jamais peur. Plus jamais effrayé, plus jamais terrorisé. Non, mon vêtement de justice impose la terreur. À cause de Christ de ma justice, à cause du Seigneur ma bannière. Il est mon libérateur, il est mon étendard, il est mon bouclier, il est ma force, il est ma capacité. Le Seigneur me guérit. Il m'a justifié. Je
suis désormais non coupable. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Je suis reconnaissant. Je suis reconnaissant. Oh, y a-t-il une personne pour célébrer? Élève la voix, déclare que tu es non coupable. Yahweh, le Dieu de justice. Christ est mon rocher, mon bouclier. Arrêtez les mots, mets la main sur la poitrine et dis Yahweh, je suis non coupable. À cause de ta justice, ce n'est pas à cause de mes œuvres. Cet esprit d'addiction n'a pas le droit de rester. L'esprit d'impudicité, sirène, n'a pas le droit. Non, tu ne peux pas, ce n'est pas possible. Les catalamas, chacun de les mayas, regarde ma tenue, regarde mon vêtement spirituel. Cancer, sida, fibrome, regardez, malformation, désordre, maladie de peau, sorcellerie, toi qui te balades dans le corps, tu es un objet non identifié. Tu n'es pas dans le bon corps, ce n'est pas ton corps, c'est le palais de Dieu que la puissance de résurrection fonde maintenant du sommet de la tête à la plante des pieds et brise l'emprise de la sorcellerie, des incantations, des enfoutements, des paroles prononcées. Nous les annulons au nom de Jésus, alors que nous célébrons le Dieu de justice. Il est mon bouclier. Les démangeaisons te quittent, elles quittent ce corps, elles quittent maintenant. Je suis non coupable. Comment me tairai-je? Comment ne pas être reconnaissant? Comment ne pas adorer? Comment ne pas te célébrer? Yahweh Shammai. Le Seigneur est avec moi, Yahweh Roi, le Seigneur est mon bon berger, le Seigneur est ma bannière, le Seigneur est ma justice, Yahweh Rapha, le Seigneur Jésus te guérit, il me guérit, il te guérit. Sois conscient de la justice, je suis non coupable. Malgré mes fautes, malgré mes manquements, merci pour la justice de Dieu. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché, afin qu'en lui, nous devenions justice de Dieu. Ça veut dire, maintenant coupable, je peux accéder. Dieu. Yahweh, 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 Yahweh. Nous sommes reconnaissants. Cette année, nous irons de gloire en gloire, de profondeur en profondeur, d'impact en impact, de puissance en puissance, d'augmentation en augmentation. Yahweh, 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 Yahweh. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Bye bye à la sorcellerie, bye bye aux oppressions, bye bye à ce que tu ressentais, qui se baladait en toi. Esprit humain, sors de ces corps au nom de Jésus. Esprit de sorcellerie, tu lâches prise. Nous
appelons la puissance, la réquisition dans la force publique, c'est-à-dire dans la puissance du Saint-Esprit survenant sur nous maintenant au nom de Jésus. L'esprit de puissance est dans ce lieu. L'esprit de délivrance est dans ce lieu. Du sommet de la tête, la puissance de résurrection descend, envahit maintenant. Dans le nom de Jésus-Christ. Les bons les staphylocoques, les bactéries tueuses sont illégales. Les infections sont illégales. Cette infection au niveau des parties génitales sèche à la racine. Tu es illégal dans le nom de Jésus. Nous célébrons Yahvé. Nous honorons Yahweh. Les douleurs chroniques dans le nom de Jésus. Vous êtes illégal. Vous n'avez pas le droit d'affliger. Regardez cette cuirasse. Regardez la cuirasse. La cuirasse parle. La cuirasse dit passe, va ailleurs. La cuirasse dit palais de Dieu. La cuirasse dit temple du Saint-Esprit. Et quand à la Yahweh, 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 Mande de vos Yahweh, 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 la révélation de la parole, elle est claire. Elle nous rend humble et reconnaissant. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Le Seigneur est notre victoire. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Aucune force, aucune puissance, aucun nom dans les cieux, sur la terre, sous la terre, dans la mer. Aucun nom n'existe qui ait la capacité de s'opposer au verdict, aux réquisitions du juste juge. Il a déjà dit non coupable. Et là où les démons résistaient, là où les afflictions résistaient, sache à partir d'aujourd'hui, parce que tu es conscient de la justice, que tu es maintenant en mesure de dire à celui qui résiste, je prends la force maintenant, la force publique, c'est-à-dire la puissance du Saint-Esprit pour imposer l'ordre divin, le respect, non de ma volonté, mais le respect de la parole qui a été prononcée. Parce que Dieu veille sur sa parole pour l'exécuter. Voilà pourquoi j'annonce et je déclare à toutes les puissances de sorcellerie, à tous les esprits de religiosité, à tous les esprits d'impudicité, à tous les esprits humains, toi qui es passé par les liens de sang à travers son père, à travers sa mère, pour l'affliger, je t'annonce à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru en son nom, la parole a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés ni de la volonté de la chair, ni du sang, ni de Dieu, ni du sang, ni de l'homme, mais ils sont nés de Dieu, le Saint-Esprit. Voilà pourquoi les liens de sang qui t'unissaient à ton père et à ta mère sont brisés maintenant au nom de Jésus. Et les démons qui étaient rentrés à travers ces liens doivent sortir de ta vie. Esprit d'échec, toi qui ralentissais, bloquais, faisais tourner et errer sa vie, on te cherchera, on ne te trouvera plus, parce que tu es réduit à néant. Il n'y a plus de condamnation.
Il n'y a plus de condamnation à l'échec, à l'affliction, au tourment, à l'angoisse. Car désormais, à cause du Seigneur notre bannière, à cause du Seigneur notre justice, rends-nous conscients de ce vêtement, rends-nous conscients de ta justice. Si tu pèches, demande pardon et instantanément, la justice, le vêtement est nettoyé. Rejette la voix de l'accusateur parce que en t'accusant, il veut diminuer et affecter ton assurance. En t'accusant, il veut te faire perdre ton assurance. Mais ceux qui sont conscients de la justice, qui ont compris la justice, ont compris que leur assurance ne vient pas des actes qu'ils posent. Leur assurance vient de l'uniforme, l'uniforme, l'armure de Dieu. La Bible l'appelle. La Bible l'appelle la cuirasse de la justice. Et Paul dit, prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme face aux ruses du diable. Et quand il parle de la cuirasse de la justice, il dit que c'est une arme de Dieu. Non, ce n'est pas une arme que Dieu te donne seulement. C'est l'arme que Dieu lui-même, c'est un vêtement que Dieu lui-même revêt. C'est un vêtement qui équipe papa et que papa a donné à tous ses enfants. La cuirasse, non, c'est Dieu lui-même qui porte et il te fait porter ce que lui-même il porte. De la même manière qu'il inspire la terreur à ses ennemis, je déclare et je décrète, à cause de cette cuirasse de justice, quiconque te voit, quiconque me voit, sera terrorisé dans le nom de Jésus. Voilà pourquoi je déclare et je décrète que tout ce qui résistait lâche prise au nom de Jésus. On te cherchera, on ne te trouvera plus, parce que tu étais réduit à néant. Béni soit le nom du Seigneur. Christ est notre bannière, notre justice, notre salut. Celui qui n'a point connu le péché, Dieu l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. À partir d'aujourd'hui, rejette le terrain de la culpabilité, celui qui consiste à dire « Je n'ai que ce que je mérite ». Non, ça n'a rien à voir avec toi. Mais dès lors que tu as cru, tu as droit à ce vêtement. Quelles que soient tes imperfections, dès lors que tu crois, il te confère sa justice. Rejette la culpabilité. À partir d'aujourd'hui, quitte le terrain de la consternation. Le terrain de la consternation, c'est un terrain sur lequel se positionnent beaucoup de croyants et qui disent, parce que je fais le bien, pourquoi est-ce que j'ai le cancer alors que j'ai fait le bien? Pourquoi est-ce que j'ai telle maladie alors que je ne fais pas de mal à mon prochain? Tu es sur le terrain de la consternation. Ce n'est pas le bon terrain parce que tu as compris que les bonnes œuvres, les bonnes actions ne changent pas le vêtement d'un condamné à mort. Mais à partir d'aujourd'hui, viens sur le terrain de la contestation. Ceux qui s'opèrent sur le terrain de la contestation disent objection, monsieur le procureur accusateur, à partir d'aujourd'hui je vais le réaliser que tu n'as pas le droit, tu es illégal, et si tu ne veux pas obéir, je vais utiliser la puissance pour te faire déguerpir, et je t'annonce que tu déguerpiras. Et s'il ne déguerpit pas, alors c'est là que la parole de Dieu déclare: résistez au diable et il fuira loin de vous. Il y en a un à la fin de l'histoire qui aura fui. Ce n'est pas toi, c'est l'oppresseur, le tourmenteur, le persécuteur, l'accusateur, celui qui affligeait. Je le vois fuir au nom de Jésus. Et quand il fuit, il emporte ses bagages, il emporte ses dépôts, il emporte avec lui ses maladies, ses infirmités. Elles sortent de nos corps au nom de Jésus. Père, nous te rendons grâce. Merci pour l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Dès lors, tu comprends pourquoi aucune religion n'est la réponse. Dès lors, tu comprends
pourquoi Jésus est le seul. Ne le combine à personne. Laisse la religion. Laisse les idoles. Laisse les autres que tu invoques à côté de Jésus. Mets ça de côté. Parce qu'aucun des saints, aucun homme n'a jamais été qualifié d'agneau de Dieu qui ôte le péché. Un seul a résolu tous les maux qui affligeaient l'homme. Il a résolu à la croix lorsqu'il a été condamné à ta place et qu'il a pris sur lui le péché du monde entier. Un seul l'a fait. Si un seul l'a fait, tu ne peux pas partager le mérite et rendre la gloire à plusieurs lorsqu'il y en a un seul qui l'a fait. Voilà pourquoi à lui et à personne d'autre soit maintenant et dans toutes les générations honneur, louange et gloire à Yahvé, à Jésus le Christ, au plus magnifique chef d'État de l'univers et de l'éternité, au prince des rois de la terre, à l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, au premier et au dernier. Y a-t-il une personne qui a envie juste d'acclamer, juste d'acclamer et de pousser des cris de joie, des cris de racheté, des cris de triomphe, porte de la tente des justes. Yahweh, 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 Yahweh. Acclame, acclame, acclame. Y a-t-il un justifié? Y a-t-il un racheté? Y a-t-il un homme vêtu de la tenue des saints? Vêtu de gloire et de splendeur? Tel est mon vêtement. À mon corps spirituel est collée la gloire, la magnificence. Elle est visible dans le monde spirituel. Elle inspire la terreur à mes ennemis. Yahweh, 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 des chaînes sont brisées, des corps sont réparés, des organes sont remplacés au nom de Jésus. Et chacun. Et que les mots s'accalent. Yahweh, Yahweh. À toi honneur, louange et gloire. Tu es le maître et le Seigneur. Adonai Elohim. Tu es le Père. Tu es le Fils. Tu es le Saint-Esprit. Le Dieu trois fois saint. Il n'y a pas d'autre Dieu que lui. Les autres sont des idoles, des statues. Un seul est devenu l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Un seul a la souveraineté. Un seul détruit les maladies. Un seul nom chasse les démons. Un seul nom fait tout à merveille. Il n'y a pas d'autre nom que le nom. C'est le nom de Jésus. Le nom du salut.
Alléluia. Oh, quelqu'un me dit amen. Voyez pourquoi tu ne peux pas mettre Jésus sur le terrain de la religion. Aucune religion ne change l'homme. Aucune religion ne produit les témoignages que tu as écoutés. Et quand je pense que ce n'est que le début du commencement, ce n'est que le début du commencement, alors que nous chercherons Dieu encore, alors que nous aimerons Dieu, alors que nous honorerons la présence du Saint-Esprit, vous allez voir d'ici quelques semaines, quelques mois, au fur et à mesure des semaines, comment l'activité divine, comment l'activité angélique va se déployer. Nous te supplions au nom de Jésus, sois réconcilié avec Dieu. Prends l'habit de Dieu. Prendre l'habit de Dieu, c'est pas aller à l'église. C'est dire à Jésus, je t'en supplie, sois le Seigneur de ma vie. Je veux que tu rentres en moi. Je veux que tu viennes. Je veux que tu viennes. Je veux que tu viennes. Je renonce à être un condamné à mort. Parce que le péché a fait deux choses. Le péché a séparé l'homme de Dieu et le péché a livré l'homme au tourment. En revenant à Christ, tu résous les deux problèmes. Un, tu as accès à Dieu de nouveau. Deux, tu n'as pas accès à la raison, tu as accès à Dieu. Deux, Satan sait qu'à partir d'aujourd'hui, il est illégal. Et s'il ne comprend pas le message, tu lui envoies le feu. Parce que le feu désormais est en toi. Tous les démons, tous les esprits méchants ne sortent pas la première fois. Pharaon n'a pas cédé à la première frappe de Dieu sur l'Égypte. Mais, laisse-moi te dire une chose. Celui qui n'a pas encore cédé, il cédera. Tu peux lui dire déjà, je te vois partir. Bye bye. Ça, c'est un palais. C'est le temple du Saint-Esprit. Ce n'est pas ta maison. Tu as squatté trop longtemps à cause de mon ignorance. Mais maintenant, mon être entier te rejette. Maladie, affliction, démon. Tout mon être a de la sainte colère et une haine envers le diable. Hier, tu tolérais. Aujourd'hui, toutes les fibres de ton être expulsent ce qui n'est pas de la vie de Dieu. Tout en toi expulse. Dans le nom de Jésus. Père, non pas à nous, mais au nom de Jésus. Donne gloire. Alpha et Oméga, ce que tu as commencé, rends-le parfait. Le but, ce n'est pas de tomber sous l'imposition des mains. Le but, c'est que tout ce qui n'était pas de toi soit extirpé, jeté dehors. Au nom de Jésus. Personne n'a le droit et n'est digne de prendre le crédit. Voilà pourquoi tu dois renoncer à la religion, quelle que soit la religion. Là où tu mets Jésus, et en même temps que tu mets Jésus, tu mets d'autres personnes et tu pries, laisse tomber tout le reste. C'est une injure envers Dieu et c'est ce que la Bible appelle l'idolâtrie. Il n'y a pas d'autre chemin. Tous les chemins ne mènent pas à Rome parce que tous les chemins ne sont pas l'agneau qui enlève le péché du monde. Un seul est le chemin, c'est celui que tu dois prendre. À cause de leur avancée, je ne ferai pas d'appel en avant. Mais y a-t-il une personne qui a envie de lever la main pour dire, moi, je vais revenir à Dieu? Y a-t-il une personne qui a dit, lève la main? Une personne, là, je suis précis sur une personne qui ne connaît pas Jésus. Peut-être que tu vas à l'église où tu allais, tu as rétrogradé depuis longtemps. Tu t'es séparé de lui. Tu as laissé tomber la main du Seigneur. Et tu dis, moi, je vais revenir. Je ne suis même plus sûr d'avoir l'habit de justice. Tellement ça fait longtemps. Peut-être que le Saint-Esprit s'est retiré de moi. Il veut te donner l'occasion aujourd'hui de revenir à la maison. Peut-être veux-tu revenir ou peut-être veux-tu venir, tout simplement. Mais mettre l'habit de justice. Lève la main. Lève la main, lève la main, lève la main, lève la main. Oui, oh. Gardez la main levée.
venez, je vais prier pour vous. Venez ici. Il y a une onction puissante ici. Là, là. Venez devant, venez devant, venez devant, venez devant. Venez devant. Je ne comprends même pas pourquoi je dois te demander de rendre grâce et de célébrer et de célébrer. Il y a de la joie dans le ciel. Lorsqu'un pécheur se repent, lorsqu'un perdu revient à la maison, nous élevons le nom, plus de condamnation. Aujourd'hui est un jour de salut, c'est le jour, nous rendons honneur et gloire. Sagesse, action de grâce. Yahweh, 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 Yahweh. La décision que vous avez prise de venir devant est la décision la plus importante de votre vie. Elle est celle qui détermine le passage des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan au royaume de Dieu, de la mort à la vie, de la culpabilité à l'acquittement, c'est-à-dire à la justice. Je vais vous demander juste d'élever la voix avec moi, juste faire une prière courte par laquelle vous direz: Seigneur, viens dans ma vie. Ça a l'air simple, mais c'est ô combien puissant. La raison pour laquelle il faut le dire à haute voix, c'est parce qu'il faut que Satan entende. Il faut que le royaume des ténèbres entende. Comme ça, à partir d'aujourd'hui, ils savent que dès que vous avez fait cette prière, un nouvel habit, un nouveau revêtement est sur vous. C'est la justice de Dieu. Et à partir d'aujourd'hui, Dieu commence un processus irréversible de restauration, de rétablissement de l'ordre divin. Les échecs, les douleurs, les labeurs, les souffrances inutiles qui venaient d'oppression et d'accablement démoniaque cessent dans vos vies au nom de Jésus. Levez les mains. Église, pouvez-vous m'aider à prier avec eux? Répétez ces paroles avec moi. Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole. Dans le nom de Jésus, je te demande de venir en moi, d'être mon Seigneur, d'être mon Sauveur. Donne-moi ta justice au nom de Jésus. Je renonce à Satan. Je te reçois, Jésus, aujourd'hui, devant Dieu, devant les hommes, devant les anges, comme mon Seigneur et comme mon Sauveur. Au nom de Jésus, merci de ce que tu m'acceptes. À partir d'aujourd'hui, je déclare, je suis désormais enfant de Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Je vous demande, Église, étendez la main sur eux, libérant sur eux la puissance de Dieu. Seigneur, qu'à partir d'aujourd'hui, sur la base de leurs paroles, que ton attouchement, ta main se pose sur chacun d'eux. De la tête aux pieds, saisis-les maintenant. Feu de Dieu, embrase-les. Que les séductions, les ruses de Satan pour les ramener en arrière échouent lamentablement au nom de Jésus. Esprit de mort, esprit démoniaque, aucun de vous ne ramènera ses bien-aimés en arrière. Aucun de vous n'affligera ses bien-aimés. Sorcellerie, oppression de toutes sortes. C'est la fin de votre mandat. C'est la fin de votre présence. Parce que sur la base de leur déclaration, un nouveau maître est rentré à bord. Un nouveau maître est dans la place. Jésus, le Christ, entre en eux par le Saint-Esprit et le feu de ta sainteté les consume. Nous avons conçu l'aspersion du sang de Jésus et nous éloignons toute mort, accident, incident, catastrophe, éloignez d'eux au nom de Jésus. Que ta puissante main se pose sur eux, réécris l'histoire de leur vie.
accorde-leur la grâce d'être des témoignages et d'avoir des témoignages à raconter en la gloire de ton nom, au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Acclamez, acclamez, acclamez. Un mort est revenu à la vie. Vous êtes les bienvenus dans le royaume de Dieu. Vous ne le savez pas, mais l'homme est un esprit. Votre esprit a été transféré dans un lieu sécurisé qu'on appelle le royaume de Dieu. On ne vous verra plus dans le monde des ténèbres, c'est fini. Tu peux dire bye bye à Satan, ciao ciao. On ne vous verra plus. Alors ce que je vais vous demander, ce que vous venez de faire s'appelle la nouvelle naissance. On va vous inviter, on va prendre vos coordonnées, on va vous appeler dès cette semaine. Si ça se trouve même ce soir ou dès demain, on vous appellera. On va prendre d'abord vos coordonnées, on va vous donner un livret de bienvenue. Et on ne peut pas laisser un enfant qui vient de naître tout seul. Voilà pourquoi on va vous prendre par la main, pour vous aider à devenir ce que Dieu veut que vous soyez. Amen. Amen. Donc personne ne touche à leurs affaires. Je demande à tout le monde de surveiller. Dans une église, tout le monde n'est pas converti. Mais ici, là, ne fais jamais ça. Jamais ça. Jamais ça. Jamais. Jamais. Pas aujourd'hui. Pas cette saison. Pas maintenant. Tu veilles sur les affaires. Ils partent 5 minutes. Pendant qu'ils reviennent, nous sommes là. Dis amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour eux? Suivez Peggy, là. Suivez la bébé Guy là. Acclame, acclame. Il y a de la joie. Oh, je sens une atmosphère de délivrance. Une atmosphère de gratitude. Une atmosphère de ferveur. De sa sainteté nous consume. Le Saint-Esprit est dans la place. Yahweh, 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 nous te célébrons et nous t'honorons. Nous te proclamons. Nous te couronnons, nous t'adorons, Yahweh. Honneur, louange et gloire à Dieu notre Père et à Jésus le Christ, le plus magnifique des chefs d'État de l'univers et de l'éternité. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Amen, 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 amen. Si après tu n'as plus de voix, c'est pour la bonne cause. Amen. Veuillez vous asseoir dans sa présence. Dis seulement avec moi, waouh. Je sens une atmosphère électrique de libération. Depuis plusieurs semaines, des jougs sont en train de... Ne sous-estime pas. Ne dis pas pourquoi moi ça ne m'arrive pas. Non, tu n'as aucune idée de ce qui est en train de se passer dans la sphère spirituelle. Plusieurs n'ont pas encore vu la manifestation, mais c'est parce que tu ne vois pas les anges à l'œuvre en train de démolir et de démolir et de démolir. Jéricho n'est pas tombé en une journée, non! Chaque gratitude, chaque louange était une action divine, une frappe du Saint-Esprit sur des forteresses sataniques. Dis amen. Waouh, Seigneur, nous sommes reconnaissants.
Merci, Père. Si vous êtes baptisé par immersion, si vous ne l'êtes pas, nous vous demandons de vous inscrire à la formation 101 qui a débuté, mais il n'est pas trop tard. C'est le parcours de croissance de la nouvelle création dans lequel nous amenons tous les nouveaux arrivants.